Bon, je prends pas la banane à la main parce que ça va être ta confusion. Ça va être ta confusion. Krav Maga, autre chose. Vous couperez ça. Cut. GoPro, arrêtez vidéo. Voilà. Alors, je t'ai fait un chèque spécial Krav Maga. Eh ben, super. Donc, pour récupérer après ta séance de Krav Maga, ouais, on va faire une recette assez protéinée. Alors, on va mettre une banane. La banane, c'est riche en potassium, ça aide à récupérer. Bon, c'est Homer Simpson, ça. Ouh, la banane, c'est riche en potassium. Donc, on met une banane, voilà. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, protéines et glucides, pour au final avoir un apport optimal. Exactement. Super. Ensuite, on va ajouter des flocons d'avoine. Ok. Donc, on va mettre 4 cuillères à soupe. En plus, ça va donner une consistance un petit peu plus épaisse. D'accord, ouais. À notre chèque. Moi, du lait végétal, moi j'ai pris le lait d'avoine, donc on peut prendre du lait d'amande, ou enfin comme on souhaite. Pour que ça soit haut, une bonne teneur en protéines, on rajoute de la protéine végétale. Donc ça, c'est de la protéine d'isolat de soja à la vanille. Mmh. Je trouve que la vanille, ça se marie bien. Avec la banane. Ouais, avec la banane. Voilà, donc là on met vraiment un scoop, c'est 25 grammes de protéines. Génial. Et l'aliment phare sur lequel je voulais faire un focus que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le beurre de cacahuète. Ah, alors, on dit beurre de cacahuète, il faut vraiment faire attention quand on achète un pot, il faut que ça soit l'ingrédient. Il y a un seul ingrédient, c'est que de la cacahuète. D'accord, parce que sinon il y a une méthode chose. Il y a certains peanut butter ou autre, où on peut avoir du sucre ajouté, là c'est vraiment que de la cacahuète. Ah d'accord, ok. Donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est très riche en protéines, 29 grammes au 100 grammes. Ah oui, quand même. Ouais, et c'est vraiment un aliment vraiment chouette pour la muscu et pour le sport. Donc là, on va mettre une bonne cuillère. Ah oui, je veux ça. La recommandation, alors c'est riche en protéines, c'est aussi riche en glucides. C'est des bons glucides, c'est riche en gras, en bons gras. En revanche, il ne faut quand même pas en consommer de trop, donc 10 à 20 grammes par jour. D'accord, ok. Voilà, donc là, on a tous les ingrédients. Super. Et ben, je t'emmène en cuisine, on va tout mixer. Donc, notre chèque est prêt, il ne reste plus qu'à le verser. Super. Hop. Alors, tu vois, ça fait une consistance assez onctueuse. Ça change de mes shakers habituels. Bon, bah écoute, merci. Hein. Place à la dégustation. À la tienne. À la tienne. Mmh. Je goûte. Mmh. C'est super bon. Ça donne envie de faire du sport. Après l'effort, le réconfort. Et même la texture est très bonne. Vraiment, c'est super agréable. Ouais. Je suppose que tu peux modifier la texture en mettant plus ou moins de lait végétal, c'est ça? Exactement. Donc en fait, là, on est vraiment sur un shake Krav Maga à boire. Soit tu rajoutes un petit peu de lait pour que ça soit encore un petit peu plus liquide, ou alors au contraire, tu en mets un petit peu moins. Tu rajoutes une cuillère de flocons d'avoine et là, tu peux mettre ça dans un bol pour le manger, et tu fais des toppings dessus, par exemple. D'accord. Tu rajoutes des petites rondelles de banane, quelques amandes, parce que c'est chouette aussi de pouvoir mastiquer et d'avoir ce qu'on appelle un peu un smoothie bowl qui soit un peu plus consistant. C'est vraiment super bon. Je crois que je passe ma vidéo à voir ton truc. D'accord, que ça se pèse. C'est vraiment super bon. Non, vraiment, c'est hyper bon. N'hésitez pas à refaire la recette chez vous directement. Ah bah, c'est le but, de toute façon, mais vraiment super. Je crois que je vais emmener ça maintenant à ma séance de Krav Maga. Eh bien écoute Marine, c'est vraiment super bon, franchement c'est vraiment top. Où est-ce qu'on peut retrouver ces fameuses recettes, ces fameuses idées? Est-ce que tu as un site, quelque chose à conseiller? Alors oui, mon site internet, donc www.tellementmieux.fr. Ok. Bon, je vais la mettre dessus parce qu'elle n'y est pas encore. C'était ta recette, donc ah bah, super. Le chèque Krav Maga. Sinon je suis sur Instagram, Marine Canard. Okay. Et j'ai également une page Facebook, @marinecanard tellement mieux. Ok, super. On mettra tous les liens dans la vidéo. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à tester le shake, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis après, à contacter directement Marine. Et puis si ça vous plaît, eh ben, on fera peut-être, même sûrement, d'autres vidéos. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Merci à tous. À la prochaine. Ciao. À bientôt.